Tu es parti sans nous dire, tu as tout emporté. Arafat, tu nous as abandonné. Toute ta famille, tous tes amis te pleurent. Tes enfants et tes fans te pleurent des chiens. Arafat et Yoroboye. Tes mistroques et des chiens. Arafat et Yoroboye. Reviens-nous. Malélo. Ça fait mal, ouais. Malélo. C'est les heures qui passent, mais toi tu ne passes pas. C'est trop difficile, Yaro, tu nous as laissé tomber. Ton coupé décalé, à qui tu l'as confié? Plus personne qu'ils pourront défier. Toutes ces personnes fans de toi, à qui tu les as laissées? Yaro, tu vas nous manquer. On a le on vous donne un peu de rapport. On va demander les nouvelles du soir. On va demander les nouvelles du soir. Merci beaucoup. Vous pouvez constater la nouvelle que vous apporte ici, elle est vraie. Depuis dimanche, vous avez cité là par les gens frères. Donc, d'une manière ou d'une autre, avec ma famille, je suis là, moi je suis ici de permanence. Parce que depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, je suis ici. Donc, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Je suis toujours là aussi. Sa maman, ses soeurs, tout le monde. Donc, Didier, après la fracture crânienne, après le scanner, il nous a dit que le sang a envahi tout le cerveau. Nous sommes il est entré au bloc, nous sommes durant 3 heures. Et on nous a permis, moi et son nom, de le voir à 6h30. Je me parle de lui. Le conseil était vraiment très avant. Et on était convaincu que si tu devais sortir de là, c'était de la personne que le ministère a reçu dans le jour. Monsieur le président national, monsieur le président du patron. La GVF, que je connais très bien, mais de loin, par la grâce de Dieu. J'ai fini la convention du N2 la semaine du dimanche. Et c'est juste après la convention qu'il y a eu ce drame. Alors, quand nous sommes arrivés sur les lieux de lundi à 6h, on est monté dans la petite idée. Franchement, c'était pas possible. Je savais qu'il y a quelque chose qui pouvait passer très simple. En tant que serviteur de Dieu, la première chose, c'est de rendre grâce au Seigneur. J'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui parce que j'ai eu accès à lui. J'ai prié pour lui. Quand nous avons donné l'eau, à 8h30, le médecin m'a appelé. Il est venu urgentement. Il émet des signes qui ne sont pas plus. Et je me suis dépêché. Parce que monsieur avec mon Maroc, je suis revenu. Quand j'ai vu le responsable de la clinique, mon père m'a emmené dans une chambre. Et il dit voilà que Didier n'est pas resté parce que c'est le cerveau qui commande le cœur. C'est le cerveau qui commande l'organe de l'homme. Donc il a succombé à un climatisme. Moi, je suis allé constater et tout de suite, la responsable m'a passé
Panama. Le ministre. Tout de suite, le ministre était la première personne à la ministre qui avait reçu, on a été, on a constaté ensemble. Après ça, son manager m'a passé le ministre d'État, on a fait un peu de temps, j'ai posé et 15 minutes après le ministre est venu, c'était pas facile. C'était pas facile. Parce que Didier, beaucoup de personnes, nous, sa famille biologique, on était très heureux de le voir avancer, devenir ce qu'il était, mais loin de penser ce qu'il a vu. Moi, personnellement, je n'ai pas pu supporter. C'est un coup dur jusqu'à aujourd'hui. Mais on bénit le Seigneur parce que quand tu as Jésus, il y a des choses que tu arrives à supporter par ta force. Alors, on a fait le transfert du corps. J'ai remis les documents à la cuisine, à la messe de l'église, simplement. On a pris les fondamentalités. On est là. Dans cette douleur, on est là. Para mí.
Bon, vraiment, tu vas faire le... Tu as fait le retour, tu viens. Viens, tu me donnes les nouvelles. Non, je t'assois encore. Voilà. C'est tellement profond, les écrits, les dits de Didier, dans le téléphone de sa mémé. Il insiste, même le jour de la tabasserie où il a eu l'accident, Didier disait à sa grand-mère, dépêche-toi. Vous voyez, c'est quelque chose qui jouait. Je vais dormir ici. Voilà. Il a même fait sa chambre et tout. Elle venait directement de l'aéroport. Et papa ailleurs, elle descend ici. Et là, c'est là, c'est là. Elle qui vient manger aujourd'hui avec sa petite fils. C'est ça, elle vient trouver. Donc, du coup, c'est pas quelque chose qui est préparé pour elle. C'est pas préparé pour elle. Le coup est fort. C'est dur. Voilà. Donc, comme la chérie a dit, Nous le prions en tant que vraiment quelqu'un d'un rang chez nous, dans notre milieu ecclésiastique, d'un rang très noble et sage, on lui prie et on va lui soumettre ce sujet de l'apostasie, moi ma fille, et la fille de mon ancêtre. Donc ensemble, on va lui dire qu'elle vienne. On dit qu'elle vienne, si nous sommes ici. Lève-toi, tu vas. Carmen, lève-toi, tu vas embrasser ta belle-mère. Faut l'embrasser. Premier jour, je l'embrasse. Embrasse-la. Oh, c'est embrasser le premier jour. Voilà. Tout ce que les gens racontent, c'est ma fille. Elle a un bouche de la soupe. Voilà. T'as pas embrassé. Merci. Tu es parti sans nous dire.